Alors je vous l'avais promis, on va changer enfin d'armure dans cet épisode-là. Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver encore pour cet épisode 7, cette fois-ci de Monster Hunter World. Je sais pas si vous remarquez un peu ce qu'il y a derrière moi, cette espèce de gros tas de bouse en fumée, là, en fusion plutôt. C'est un morceau de Zora Magdaros qu'on a ramené, je crois, de l'expédition du désert, parce qu'il a paru là clairement depuis la dernière fois. Donc il me semble que c'est ça en fait qu'on a récupéré tout simplement. On va parler un peu de ce biologiste un peu pour voir ce qui en retourne. Splendide. Voilà la cinquième flotte, tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous, l'équipe de capture et l'étude de la commission de recherche, ou le capture tout pour faire court, étudions le Kulu Yaku. Nous comptons en capturer un en vie pour permettre au Navisiole de se familiariser avec ses caractéristiques avant de le relâcher. Cela nous permettra de traquer des bêtes et d'en savoir plus sur son mode de vie. C'est mon vœu le plus cher à l'heure qu'il est. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire appel à la cinquième flotte pour se charger de la capture. Bonne chance. La quête s'intitule « Pris la griffe dans le sac ». Toute aide de ta part serait la bienvenue. D'accord, donc on a une nouvelle quête disponible. Il faudra capturer un Kulu Yaku. Alors du coup, on va pouvoir aborder ce que c'est que capturer les bestioles les plus, enfin, plus grosses que celles qu'on peut avoir en animal de compagnie. C'est justement ce qui m'intéressait de savoir dans l'épisode précédent. Désert des termites, d'accord, ça se passe dans le désert des termites. Mais avant tout, je vous avais promis ça dans l'épisode précédent et on l'a pas fait. On va changer tout de suite d'armure. Alors c'est parti. On va commencer par aller à la forge. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand on... Bah, quand on en craft une, tout simplement. Forge. Et ensuite, on va en choisir une ensemble. Enfin, ensemble. Ça sera quand j'aurai une connexion assez puissante pour faire du stream. Mais pour le moment, bah, vous devez subir, hein, celle que je prends. Enfin, subir, c'est un bien grand mot. Enfin, bref, vous m'avez compris. On va forger une armure. Enfin, deux pièces d'armure que j'avais gardées exprès. Alors, vous voyez que j'ai déjà forgé. On avait déjà l'armure de cuir qu'on porte depuis le début. Qui est bon. À l'heure actuelle, on peut estimer qu'elle est quand même assez usée. Et surtout elle est bien obsolète par rapport à celle qu'on peut avoir maintenant. Donc ensuite on avait la maille donc qu'on n'a jamais utilisée, hein, qui est toujours dans le coffre, hein, ça fait partie des deux armures de base qu'on avait. Aujourd'hui, voilà ce que je vous propose. J'ai déjà crafté deux armures complètes, celle du chasseur que vous voyez ici, et celle du spécial Vespoïde, parce que j'ai fait un peu de chasse au Vespoïde dans la forêt ancienne. Du coup on a deux d'armure à disposition et éventuellement une troisième, celle en os. Donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe pour tout simplement les crafter. Alors il suffit évidemment d'appuyer sur croix pour confirmer, mais pour aller un peu plus dans le détail, en gros on utilise en faisant ça deux os de wyvern, comme vous pouvez voir en dessous du visuel du casque en os. Donc os de wyvern x2 et os ancien x2. Vous pouvez voir en haut à droite ce que ça va augmenter. Donc en physique on gagne 6 alors que là on était à 2. Qu'est-ce qui augmente pas? Tout simplement le feu, je crois qu'on est déjà à 2 pour le feu avec l'armure en cuir. J'ai un peu de mal à articuler, à parler, je suis désolé d'avance, hein, c'est la fatigue après le boulot. Donc foudre, on gagne 2 de résistance aux foudres, et apparemment en dragon, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, peut-être qu'il y a une... ça a l'air d'être un élément le dragon. Enfin bref, sans plus tarder, voilà comment ça se passe. Du coup on a 200 Z requis, donc ça c'est la monnaie, pour créer quand même cette pièce d'armure. Donc on a les ingrédients à prendre pendant nos chasses, quoi, à récupérer pendant nos chasses, et en plus quelques pièces d'or aussi à donner. Est-ce que je vais m'en équiper pour le moment? Non merci, on va faire tout de suite la dernière pièce qui me manquait, à savoir le plastron. Et ça nous fera 5 armures en tout. Voilà. Équipé, toujours pas. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, j'ai bien envie, c'est de mettre la tenue du chasseur qui augmente déjà. On passe déjà de 2 à 6 en protection physique. C'est ce que je cherche pour le moment. Pour vous donner un peu ma ligne directrice, c'est que mon armure me protège déjà physiquement, c'est cool. On verra bien par la suite ce qu'on va choisir comme protection du côté des éléments.
Peut-être qu'il faudra faire des armures, enfin qu'on devra s'équiper d'armures en conséquence des monstres qu'on combat. Genre si un monstre il est spécialisé attaque de glace, on mettra une armure qui résiste à la glace. Je pense qu'on fera tout simplement comme ça et que dans la règle générale on prendra un spécial dégâts physiques. Non, je voulais pas créer, quel con. Oh le con. Bon c'est pas grave, j'aurais qu'à la revendre, malheureusement je peux la revendre que 100 et j'ai perdu mes... Non, je vais pas m'en équiper. On sort de là tout de suite. Malheureusement, quand on revend, d'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite... Non, c'est de l'autre côté. C'est la femme derrière qu'il faut aller voir. Salut. Tu veux jeter un coup d'œil? Oui, tout à fait. Vendons. Qu'est-ce que j'ai recréé, je crois, deux fois le home d'os, de chasseur, pardon. Donc, on en a un ici. Chasseur, Vespoïde. Et rechasseur. Donc ça, on le revend. Et vous voyez que ça ne revient qu'à 100 Z. On va dire Zeni. Hein. Je vais dire Zeni pour... Je sais que c'est pas forcément la bonne monnaie. Il me semble que c'est dans DBZ, Zeni. Mais on va dire Zeni pour être tranquille tous. Le total, donc, qu'on gagne en revendant cette armure, cette pièce d'armure, c'est 100 Zeni. Donc moitié de ce qu'on a utilisé pour l'acheter, finalement. Sachant qu'on récupère même pas... qu'on récupère même pas les pièces, les ingrédients qu'on avait utilisés pour ça. Donc du coup ça c'est fait, on va vite aller s'équiper de ça, on va pas traîner 3 heures juste pour s'équiper. On va aller du côté dans la chambre. Et on va enfin ressembler à quelque chose. Hop. On s'équipe. Donc on va... Voilà, équipement, le home. Il est où? Ici. Alors, coiffe de chasseur, on va se mettre full chasseur. Non. Oh là 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 là. Je veux aller trop vite. On va se détendre. Alors, héritage, chasseur, voilà. Chasseur. Avant-bras de chasseur, ceinture de chasseur. Ah, c'est une boucle, d'accord. Boucle de chasseur, donc. Et grève de chasseur. Voilà, là on est full chasseur. Je trouve que c'est sympa. On est spécialisé défense physique. Ce sera toujours mieux que les lambeaux de cuir qu'on avait sur le dos jusqu'ici. Et évidemment, là, vous voyez pas ma coiffe en cuir, mais pour le moment, je vais la laisser. Je vais la laisser apparente parce que pour le moment, ce serait bien quand même de voir l'armure complète. Afficher la coiffe. Vous voyez, c'est dans les options paramètres de jeu et on fait afficher coiffe. Oui, pour l'avoir, tout simplement. Et du coup, maintenant, on va aller du côté de la cantine. On va manger un morceau. Pour une fois, on va changer un peu. On va pas partir, entre guillemets, les couilles à la main. Comptoir des quêtes, c'est pas ça. Où est-ce qu'on mange? C'est là, je crois. Voilà, cantine. On va manger un morceau, histoire de se buffer. Commander en zeni. Commander en points. Commander en coupons. Les points, on les utilise jamais. Les zeni, on les a utilisés pas mal, là, pour... Pour les armures, ça c'est quoi four? Demande à l'assistante de vous cuisiner quelque chose. Ah, mais ça c'est goldé. Rôtissage au four. Ça, il faut savoir qu'on peut le faire dans les camps aussi. Hein. Le rôtissage au four permet de faire cuire de la nourriture pendant que vous êtes en quête. Par exemple, il suffit de mettre de la viande. N'oubliez pas de récupérer la nourriture cuite avant de repartir. Le rôtissage au four nécessite des points, etc. Compris, bien sûr. Donc là on nous propose des... Ah ouais, c'est bien par rapport aux points. On va payer avec nos points que vous voyez en haut à droite. J'en ai 5463 actuellement. On va tout simplement prendre de la viande crue. Les objets 60 points sont requis, oui. Je veux bien. Du coup, comment ça se passe? Attendre que votre commande actuelle soit prête avant de faire une nouvelle commande. Ok, mais moi ce que je voulais c'était manger tout de suite. Tant pis, on prendra avec ce qu'on vient de faire. On prendra en portée. À la carte, festival des viandes. Alors, on regarde, du coup, ça nous offre de l'endurance plus 25. Ce serait pas du luxe, quand même, d'avoir plus d'endurance. Et plus de vie. Farandole de légumes. Allez, 5 fruits et légumes par jour. C'est parti. Les animations sont vraiment sympas. Par contre, il me semble... Ah ouais, ils ont le sens de la précision. Et allez, on gobe tout ça.
Miam miam, ça ouvre l'appétit. Voilà. Du coup, on a vie plus 10, endurance plus 25 et résistance élémentaire plus et MP entre parenthèses. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais on va s'en contenter. Lui, il a quelque chose à me dire, visiblement. Tu vas bien m'aider à trouver des nouveaux ingrédients pour la cantine? Allez, je suis sûr que ça te branche. Il te suffit de t'inscrire aux quêtes poissons accro et extermination dans le désert et de les mener à bien. Alors, ça lui va pas du tout en fait cette voix. Quand on aura terminé, on aura un menu aussi musclé que des biceps de Rajang. Je connais pas du tout le Rajang. On l'a pas encore vu. Fais en sorte que mes gars puissent récupérer les marchandises sans risque. Je compte sur toi. Ah, il faut abattre 7 gajots, d'accord. Et abattre 14 espoïdes. Alors moi j'ai fait ça, j'avais une quête où il fallait en battre 20. On fera ça plus tard. Je ferai peut-être ça hors caméra probablement, parce que je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Pour le moment, on est équipé, on est tout beau. Et ben on va continuer le mode histoire tout simplement. Le chercheur a été séparé de son escorte et il est toujours pas revenu du désert des termites. Oh. On doit partir à sa recherche, je suis sûr qu'il a laissé des traces de pas. Espérons juste qu'il n'ait rien laissé d'autre. Effectivement. Comme un bras, une jambe, nouvelle quête du coup. Mission. Marécage mortel. Alors, le jeune chercheur s'est trouvé séparé de son escorte dans le désert, c'est ce qu'elle vient de dire. Retrouvez-le, ramenez la base. Donc, on aura des gajots, des askepros, ça doit être les espèces de d'ankylosaures là, avec leur queue pointue et leur carapace de tortue, là, les apséros, questodons et les noyos. Allez, go. Oh non, 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 j'ai mis. Retour en arrière. Éventuellement, je vais mettre deux parce que. La dernière fois, on s'était retrouvé un peu. On s'était fait un peu avoir, j'avais mis un et je pouvais pas appeler à l'aide du coup. On va mettre deux. Je trouve c'est bien deux. On était bien deux. Du coup, voilà. Quête spéciale. Du coup, on aura 3240 Z si tout va bien. Donc, on attend que la préparation de la quête se fait. Tout simplement le chargement, j'imagine. Aussi une autre voix dans le jeu, vous savez le rouquin qui nous parlait au tout début du jeu à l'intro avec la bière et tout ça, c'est la voix de Léo dans Charmed pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Partir en quête, oui. Et pour ceux qui ont connu la trilogie du samedi sur M6. Avec Charme, le caméléon, Buffy contre les vampires, tout ça. Alors, nous y voilà, de retour dans le désert. À la recherche de ce chercheur. Il a forcément laissé une piste. Ouais, tu veux dire que... C'est vraiment dommage qu'on les voit pas venir avec nous, encore une fois on se débrouille tout seul. C'est quoi le... Je voudrais juste voir vite fait avec vous. Au niveau du bestiaire, il y a deux créatures qu'on va... On va retourner dans la forêt ancienne après cet épisode-ci, je pense. Genre le Rassian et le Rathalos, on va essayer de se les faire. En tout bien tout honneur, on va les chasser. En plus maintenant on est équipé, peut-être qu'il y aurait moyen de faire mieux. Oui, c'est vrai qu'il y avait le Diablos qui passait sous terre, qui nous a bien, bien surpris dans l'épisode précédent, dans le désert. Du coup, c'est parti. Retrouver le chercheur. Alors, allons-y. Je vais regarder vite fait la carte. Est-ce que c'est la même que dans la forêt? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit la même que dans la forêt. Je sais pas, ça fonctionne peut-être par strat, on n'en sait rien. Oui. Allez, avec notre nouvelle armure flambant neuve. Alors ça... Bon, pour la recherche... Oh! Il s'est barré. Ou alors il essaie de me charger, il m'a raté, je ne sais pas. On va prendre ça pour une agression, histoire de... De justifier ça. Ah ouais, d'accord.
Ah, c'est vraiment plutôt des antilopes alors, vu leur déplacement. Allez, go! Oh, lui, il m'avait rien fait, mais bon, tant pis, il est sur le chemin. Ah, c'est bon. Bon, j'ai tué celle-ci, c'était bien la nôtre. Enfin bref, on s'en fout, allez. C'est un kebi, d'accord. Viande crue, ça donne que de la viande crue, mais bon, c'est pour la recherche. Hein. On va quand même finir celui-ci. Et c'est fini, voilà. D'accord, ils sont pas très résistants, c'est vraiment des bêtes basiques. Alors, continuons. Ça, c'est quoi? Ecofact. Ça doit être la piste du chercheur. D'accord. Je me suis douté aussi. Oh, c'est mignon. Ceux-là, je crois que je les ai déjà. C'est l'espèce de lièvre des prairies. Ça, c'est des kébis encore. Hop, 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 hop. Pas trop vite. On l'entend hurler, mais encore une fois, on est tout seul, hein, vraiment. Ils doivent nous parler par télépathie. Encore des traces de pas. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ça ? On va aller voir. Attends deux secondes ! Qu'est-ce qui se passe avec les navicioles ? Ils deviennent bleus. C'est des grosses épines, d'accord. Sûrement des épines de dinosaures, ou enfin de monstres. D'accord. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant. Les effets, on va dire, physiques sont assez sympas, genre dans l'eau t'es ralenti, dans la boue aussi. Encore des épines. D'accord, alors là ça va être... Là j'aime bien faire ça par contre. Pouf. On va essayer de pas se louper. D'accord, je pensais sauter et... Mais non, en fait. Hop. J'espère que je vais au bon endroit. Ouh, c'était juste. Ça, c'est du miel, j'imagine. Voilà. Par contre, elle nous indique... Elle nous indique quoi? Par là. Ah oui, alors j'ai su qu'éventuellement... J'ai su ça par le collègue qui va peut-être nous rejoindre. Un Barros, ils appellent ça, ils font la liaison à l'anglaise. C'est lui qui a fait ça. Je l'ai vu. C'était pas le Giratodus. C'est pas lui qui a tué le Barros. C'était... Pas dans celui-là. Giratodus. Vous pouvez utiliser une fusée des fesses. Ouais, on va essayer ça. Allez, ceux qui l'auraient pas encore vu, on va le faire. Fusée de détresse. Allez. Au secours.
Allez, go. Mince. Il est beau celui-là. Crache de la boue, par contre, je suis pas fan. Je dirais un Nessie, quoi. Un petit Loch Ness. Très visqueux, on dirait une espèce de limace géante. Clac, 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 on lui en met plein sa tronche. On le transperce comme dans du beurre. C'est bien bien stylé ça par contre. Allez, on se relève. Et lui il a zéro carapace, alors on peut s'en donner un cœur joie. Ah, Yuzi a rejoint la session. Vous allez voir du coup comment ça se passe en multi. J'espère qu'il n'est pas niveau 80 et qu'il va tout défoncer en un seul coup. Hein. Le but c'est aussi qu'on s'amuse. D'ailleurs, en parlant de ça, pour ceux qui joueraient aussi au jeu et comment dire, qui voudraient un peu d'aide et qui n'ont pas forcément un entourage. Dans leur entourage des gens qui y jouent aussi à Monster Hunter, apparemment j'ai eu le conseil suivant, jouer entre 23h, enfin minuit, 23h minuit et 3h du matin, parce qu'à cette heure là il y a généralement les Hawaïens, je vais dire n'importe quoi, les Coréens qui viennent jouer, qui se connectent en masse sur le jeu, et eux ils sont généralement level 80 et plus, c'est vraiment des gros bourrins. Et genre, ils nous invitent souvent en guild. Personnellement, je reçois souvent des invitations de guild de la part des Coréens. Et comment dire, si vous rejoignez un de leurs groupes et tout ça, il y a des chances que vous montiez pas mal de niveau, votre niveau de chasseur en peu de temps. En une soirée, il y a moyen de monter quelques 4 ou 5 niveaux avec eux. C'est l'écho que j'en ai eu, hein. Bien sûr, j'en ai pas fait l'expérience. Et personnellement, je compte pas spécialement le faire, quoi, on verra. Mais ouais, pour ceux que ça intéresse, vous devrez monter rapidement de niveau. Ça peut être une bonne façon de faire. Ouh là 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 là, on va vite se mettre une potion. Vite, 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 vite. Allez, voilà. Oh, c'est bien, il a bu deux fois, j'ai l'impression. Voilà. On prend encore cher, hein, malgré tout. Non, non. Méga potion, allez, méga potion. On lésine pas sur les moyens. Allez, on se secoue les joysticks. Évidemment, toujours une phase de track. Ah, bah ça y est, on a été rejoint justement par un Coréen. Alors malheureusement, je sais pas comment on fait les émotes rapidement, mais visiblement les salutations, ils s'en tapent. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Pour ça, clairement, hein, c'est mieux de jouer avec des gens que vous connaissez, ou même ne serait-ce que de votre langue ou de votre propre langue. Ça permet de discuter au micro et c'est un peu plus intéressant quand même. Les gens vous snobent moins. Là, on voit clairement qu'il est venu là pour se défoncer, pour se faire le monstre et récupérer tout ce qu'il a récupéré. Expérience et loot et basta quoi. C'est ce qui est dommage, je trouve, dans les jeux. Il n'y a pas assez de roleplay quoi. Même en MMO, hein, j'ai fait pas mal de MMO durant ma jeunesse, voyez-vous. Et puis, au final, il y a peu de gens qui jouent vraiment roleplay. Quoi. D'où peut-être le retour à la mode des fameux JDR papier. Un jeu de rôle papier, hein, ancêtre des jeux de rôle actuels en jeu vidéo.
Oui, il a l'air de faire des dégâts électriques, c'est assez sympa. Il y a l'air d'y avoir des armes quand même qui font des... plus ou moins qui ont des pouvoirs magiques ou quoi. Partie détruite. J'ai détruit une partie du bestiau. En tout cas, c'est une belle prise. Moi, j'envoie mon qu'insecte et il y en a qui envoient de la foudre. Chacun son pouvoir, hein. On choisit pas. C'est comme chez les X-Men, quoi. Il y en a qui ont le pouvoir de contrôler tout ce qui est les métaux et qui peuvent voler, et il y en a d'autres qui peuvent se transformer en fauve. Enfin, on choisit pas, son pouvoir. Mais je compte bien me procurer quand même une de ces armes, c'est bien sympa. Oulalalala. Quand même, on aurait mis genre 3 jours, je pense, pour le tuer tout seul, hein, je pense, vu que notre collègue... Oh, voilà, c'est super beau. Notre collègue est bien équipé, et même avec lui, on met un certain temps. Mince, j'ai loupé. On va profiter qu'il se barre pour s'aiguiser un peu tout ça. Allez, hop. Encore une fois, j'ai pas encore vu si on pouvait changer la couleur des armures, et c'est vraiment quelque chose qui manque. Je chipote peut-être un peu, mais je trouve dommage qu'au départ on vous propose une couleur de base pour les armures et qu'au final ça ne serve à rien après, parce qu'il y a que Quick en choix des couleurs. Il a l'air au bout quand même, le monstre. Hein. Oh putain, pardon. Je suis gros aussi. Il y a un espèce de Barros, du coup, qu'on dit. Qui est là. Oh. Oh, c'est stylé. Ah, d'accord, comment il est en train de se faire. Oh, mais le Barros, c'est la victime, quoi, le pauvre. Oh là là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il me fait un peu penser au monstre qu'il y a dans Resident Evil 4. Dans l'espèce de lac dégueulasse. Ceux qui l'ont fait voient de quoi je parle. Oh là là, la bouillasse. Et par contre, ma vie, il va falloir faire quelque chose aussi. Allez, glouglou. Par contre, le Barros, s'il s'en mêle, ça va être... Oh, il fait de ses bons, c'est juste génial, quoi. J'adore ça. Oh là là, par contre les deux en même temps là, ça fait super mal. On va se mettre près de l'arbre, éventuellement. Allez, on récupère son souffle. Merde, j'en ai bu deux à la fois, tant pis, c'est pas grave. Donc clairement, c'est pas les ingrédients qui nous manquent. Il est passé où lui? Le Gyuratodus. Bon, l'endurance, va falloir qu'on se rééquipe en portions parce que là. Où est-ce qu'il est? C'est vrai que l'autre, ça joue pas trop solo, ça c'est chiant aussi, quoi. Le mec part à aventure solo. Cette façon de courir complètement cartoon. Oh là là! Il était pas loin. Il est là-bas. Fait penser à Loclass aussi, enfin. Référence Pokémon, hein, je pense qu'on les a tous.
pas le Pokémon, hein, je parlais des références. Oulala. Oh non. Oh lolo, non. Quelle horreur. Le savoir est la meilleure arme du chasseur. Pense à te renseigner sur tous les monstres en consultant le bestiaire. Le jeu se complexifie, mais... bien comme il faut. Oh, des chauves-souris, j'aurais pu les choper, bon, tant pis. Il me semble que je n'ai vraiment... ah oui, alors regardez, je sais pas si je vous avais déjà montré, mais on peut aller sous l'eau. Du coup, j'ai bon espoir qu'il y ait des combats aquatiques. Parce que là, bon, concrètement, c'est le monstre qui va sous l'eau, mais... et je pensais à un combat genre, nous, on est bien, bien sous l'eau aussi, et... d'ailleurs, il y a un documentaire là-dessus avec les monstres marins. Sur YouTube, tout simplement. Hein. C'est un autre documentaire que j'ai dû mater 10 fois, donc je le mate, enfin, je le matais souvent pour m'endormir. Et, mais franchement, j'adore. Ça racontait un peu les 5 pires océans, non, les 7 pires océans que la Terre n'ait jamais connu. Enfin, vous savez, le blabla un peu habituel. Et en gros, il nous montre les bestiaux les plus impressionnants et les plus dangereux de la période du Jurassique, du Crétacé, je sais plus quelle autre période. C'est super intéressant pour ceux qui... pour ceux... oh, attends, ça je vais récupérer, ça a l'air sympa, ça a l'air important. Oh je vis vraiment les dégâts avec mon personnage. Hein. Ouais, du coup, si vous aimez bien tout ce qui est dinosaures, monstres marins, tout ça... je vous conseille vraiment, c'est avec le mec qui fait Prehistoric Park ou je ne sais quoi. Genre, vous savez, ce présentateur américain qui fait genre qui traverse les époques pour aller choper des dinosaures et les mettre en cage dans notre monde actuel. C'est en plusieurs saisons. Mais là, en fait, du coup, c'est un épisode d'1h31 qu'on peut trouver complet sous YouTube ou en deux parties. Je vous conseille, on parle vraiment de monstres qui font froid dans l'eau. Quand on se dit qu'un jour la Terre a accueilli ce genre de monstres, c'est assez... ça fait réfléchir. Hein. Faut plus tarder... ah, ça y est, allez go go go, on s'accroche. Non, quand je fais L2, vous voyez là je fais pas L2, mais quand j'ai fait L2 en faisant le coup de couteau, ça faisait un gros zoom sur moi. Alors je sais pas si je peux m'agripper et en même temps attaquer. Est-ce que ça marche vraiment ou... ben là clairement j'ai été expulsé quand j'ai lâché L2, mais... ce que je dis, il vous paraît peut-être incompréhensible, je pars dans tous les sens, désolé. Merde. Allez, 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 sort. Oh là là. Quand je fais... en fait, j'essaie de faire rond pour sortir directement l'attaque, enfin l'arme. Mais ça marche qu'avec triangle. Concrètement, il y a beaucoup de grosses créatures. Hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monstres comme ça qu'on peut considérer presque. Est-ce qu'on peut les considérer comme des boss? Je sais pas. Mais c'est assez cool. Mince. Allez, range ça dans ton dos. Et on court. Lui, il a quoi? Il a une espèce de grosse épée et un bouclier, d'accord. Définitivement, les combats dans la boue, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. Dans ça ou dans l'eau, on est vraiment trop lent. Quoi. Allez, il est presque HS, je pense. Il a disparu.
fait pas beaucoup de dégâts, hein, clairement. C'est pas glorieux. La musique est chouette par contre, ça. Ça, on peut pas l'enlever au jeu. Hein. Un deuxième KO. Ah ok, d'accord, j'ai été aspergé par une baguette ou quelque chose comme ça. Les combats dans la boue, c'est infernal. Non, j'étais en train de sauter, c'est dégueulasse. Ah, je crois que c'est mon collègue peut-être qui me remettait de la vie. Certainement pas les gageots en tout cas. Allez. Allez, il a l'air au bout de sa vie là. Pas beaucoup qu'insectes au final, peut-être que je m'y prends mal, peut-être qu'il faut plus l'utiliser pour être efficace. Mais clairement j'ai pas l'impression qu'il fasse énormément de dégâts. Ah, quand même on est content quand on a fini par tuer un monstre. Allez, faut vite looter. Non, 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 mais les gageots dégagés. Hein. On fait que looter, hein. Laissez-nous tranquille. Nageoire. Écaille. C'est bon. Oh, il y en a encore. En tout cas, merci notre collègue coréen. Il nous aura quand même donné un bon coup de main. Voilà, bon, j'ai fini de looter. Ah, il a carrément... D'accord, super, merci. Comme ça, on peut peut-être le looter avant que ça se termine. Voilà. Une affaire rondement menée. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de tout bon, tout ça? Alors, 22 minutes 42, c'est quand même pas mal pour un seul monstre. D'habitude, on tourne autour de 30 minutes, une demi-heure. Ouais. 1080 Z, points de recherche 310. On augmente en recherche sur le barotte. C'est marrant, on a des petites étoiles. Est-ce qu'on sera à fond sur le barotte du coup? Puisqu'on a 3 étoiles sur 3. Niveau du palico augmente, maîtrise des gadgets. Une nouvelle cinématique est ajoutée évidemment dans la galerie. Vous pouvez désormais blablabla. Ok. Ah, on a quand même réussi 2 titres malgré. Notre collègue coréen niveau 170, archéologiste et champion du rodéo. Ouais, ça j'imagine que le rodéo c'est parce que je lui ai grimpé pas mal dessus, mais alors l'archéologiste, je sais pas du tout pourquoi. Écofact examiné 10, c'est pour ça, voilà. Très joli vitrail. Bien, tout le monde est réuni. Nous allons pouvoir commencer. Grâce à vous, nous en savons bien plus sur les empreintes découvertes sur le continent. Ah, c'est full traduction, je vous laisse profiter de l'ambiance du jeu. Nos chercheurs ont fait leurs calculs, et nous savons désormais où se rend le Zora Magdaros. Il se dirige vers le Grand Ravin. Le Grand Ravin? C'est la vallée qui s'étend au-delà du désert des termites? Exact. J'ai donc une proposition.
J'aimerais que nous le capturions une fois là-bas. C'est de la folie! Le capturer? Écoutez-moi. Le ravin est idéal pour une embuscade. Une occasion pareille ne se représentera pas. Si on n'agit pas maintenant, il pourrait bien se passer 10 ans, si ce n'est plus, avant qu'on ait une autre chance. Mais c'est possible, au moins. Si je vous disais que non, cela changerait-il quelque chose? On peut tenter le coup. Avec la 5e à nos côtés, on a toutes nos chances. Alors, c'est décidé. Avant d'envoyer nos chasseurs sur le terrain, nous devons protéger Astera. Un Anjanas a été repéré près d'ici. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse en liberté. Nous devons l'éliminer. Très bien. Chasseur, vous avez entendu? Votre prochaine cible est l'Anjanas. Il était temps qu'on s'en occupe, hein. Tôt ou tard, il fallait quand même qu'on s'y frotte. Ça tombe bien, je voulais me faire l'Anjanas et le... Comment il s'appelle? Le Ralliados, le Ralliot, je sais plus trop... Enfin bref, le dragon volant en rouge, je voulais me le faire justement à l'épisode suivant, c'est ce qu'on fera. Soyez prudent. Cette créature est redoutable. La moindre erreur peut être fatale. D'accord, compris. Commandant, je pense que j'ai une idée. J'aurai besoin de ton aide. Passe me voir plus tard, veux-tu? Autre chose. À propos du rapport troublant que nous avons reçu. Tu pourrais... Bien sûr. Très bien. Alors mettons-nous au travail. Nous avons un dragon ancien à capturer. Et Roger. Par contre, il se passe des choses en coulisses et j'aime pas trop ça. Il y a du petit complot, j'imagine. Hein. On n'est pas au courant de tout. On ferait peut-être mieux d'écouter ce que le chef botaniste a à nous dire, tu ne crois pas? Eh d'accord, Lucie. Mais ça, on le fera pour l'épisode prochain. Merci encore une fois de m'avoir suivi jusqu'ici. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 8. Et du coup, ça nous fait pas mal de taf sur le bestiaire, que je mettrai certainement à la fin de cet épisode. Donc ne quittez pas la vidéo tout de suite. Il y a le bestiaire qui vous attend. Je vous laisse donc avec le bestiaire en fin de cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusque là. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Parmi nos dernières découvertes, le Kelbi. Petits herbivores dociles, ils sont prisés pour leurs cornes aux propriétés médicinales qu'on récupère en concentrant nos attaques vers sa tête. Le Barros. Alors on prononce bien Barros et non Barrot, donc le TH à la THE comme en anglais, se nourrit de fourmis et marque son territoire avec de la boue dans laquelle il est facile de s'embourber en plein combat. Mieux vaut ne pas y rester coincé pendant qu'il vous charge. Juiratodus, considéré lui aussi comme une wyverne, mais aquatique celui-ci, il vit dans les marécages du désert des termites. Le Juiratodus utilise lui aussi la boue pour capturer ses proies. Il a tendance à se disputer le territoire avec le Barros. Le Rassian et le Rathalos. Alors le Rathalos est une wyverne dominant la forêt ancienne et surnommée le roi des cieux. Il descend du ciel pour attaquer ses proies avec ses griffes empoisonnées et son souffle infernal. Le Rassian, c'est sa femelle, surnommée elle la reine de la terre. Elle chasse principalement au sol, utilisant ses pattes puissantes et sa queue sécrétant du poison. Si on lui vole ses œufs, elle vous poursuit jusqu'au bout du Nouveau Monde. Le Diablos. On est littéralement tombé dessus dans l'épisode 6. Régnant sur le désert des termites, il a tendance à se cacher sous le sol et à surgir du sable pour s'attaquer, je cite, aux imprudents qui font trop de bruit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parmi les dernières créatures rencontrées, les Apseros. Ressemblant à des ankylosaures, ces herbivores à la peau très épaisse peuplent le désert des termites. Ils se regroupent avec leurs semblables afin d'adopter une posture défensive rappelant les formations serrées que pouvaient adopter les Romains ou encore les Spartes. Les Noyos. Pas grand chose à dire sur eux, si ce n'est que ce sont des drakes ailés. Très semblables aux Mernos, on peut également les utiliser comme transport.